Coucou mes chéris, bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous, allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1664e review de merde avec un jeu qui n'est-il pour rien dit du tout tout, puisqu'il s'agit de la version PS2 simplement de Winx Club. J'avais déjà testé la version Game Boy Advance que j'avais trouvé dans les poubelles complètes. Là non, je l'ai dû l'acheter 50 centimes à l'époque qui pique du pot qui pique à Pâques. Tarte. Alors je sais pas trop ce que c'est, je me souviens plus ce que c'était. C'était un jeu d'action 2D, plateforme 2D, bon appli par défaut, voilà, ciao. On va lancer une partie. Vide, pas de mémoire, on s'en fout, voulez-vous sauvegarder? Oui, non, machin, bref. Là, j'imagine que c'est de la 3D action, puisque j'ai vu sur les jaquettes arrière et un petit peu les images. Pourquoi ce jeu? Parce que c'est le dernier par ordre alphabétique qu'il y a dans ma collection, et petit à petit, je fais l'ordre alphabétique inversé pour les virer, pas les vendre, mais les ranger ailleurs, parce que ça, je sais que j'y jouerai pas, à part si je trouve un full assisted Lauren dessus, ou alors si c'est un grand jeu. Auquel j'y aurais pas pensé, mais que moi je trouve un grand jeu. Si j'aime le jeu me plaît, ben j'y jouerai, je m'en fous un petit peu. Alors il y a des gens, ils veulent à tout prix jouer à Resident Evil 2, des choses comme ça. Moi j'en ai rien à carrer, tant mieux pour eux. Moi si celui-ci je le trouve plus sympa qu'un Resident Evil 2, ben je vais y jouer, j'en ai rien à foutre. Mia, Fry, Mike Roll. En tout cas, c'est. Comment ça s'appelle? Il y a des doublages hein, en version. Arbre du parc. Attends. Oh purée, yeah! Il m'a dit attends. Alors, la caméra avec le stick analogique droit, on peut faire bas, c'est inversé, et haut, ça fait ça, droite et gauche. R2, elle s'accroupit. J'ai pas la notice, hein. R1, ça permet de remettre la caméra derrière. Donc c'est bien quand on hop, quand on bouge de faire droite et gauche. Et alors j'ai le jeu en version démo et le CD est un petit peu rayé. Celui-ci aussi. Alors je m'étais dit au départ, je vais faire comme Spyro. Bloom, j'avais d'abord joué aux versions, à version démo. Si jamais ça marche pas, je mettrai la version machin. Mais en fait non. Ma version normale est plus. Bon, il n'y a pas de musique, hein. Spécial dédicace à Dark Souls et à Demon Souls. Il n'y a pas de musique dans le jeu. On peut sauter, mais il y a un mur invisible. Pour l'instant, ça me fait penser un petit peu à Barbie et les 12 princesses. Un truc comme ça. Je vous renvoie à ma review de merde. Oh, alléluia. Ok, voulez-vous annuler la sauvegarde? Oui, ok. Pour l'instant, si on doit sauvegarder ça. Alors, on peut ouvrir le coffre à catch ou pas? Attends, j'oublie qu'il y a R1. Non, on peut pas. Attends, oui. Putain, c'est quand même, il faut bien se placer devant. Ouah, j'ai trouvé une graine de dragon. Je suis content. Ma foi. Pour l'instant, le jeu n'est pas fabuleux. Mais alors là, on va secouer les cocotiers. On va dégraisser le mammouth. Waouh! Et une troisième fois pour la route, ça fait plaisir. Passionnant, c'est les grands jeux de PS2. Ah, ça y est, la musique arrive, c'est bon. Et en plus, elle est pas dégueu. C'est ce genre de musique, vous l'avez dans le. J'arrive pas à sauter dans le film Star Wars, Les Derniers Jedi. Alors, attention, petite cinématique. L'écran est noir. Oh putain. Aïe aïe aïe, boum dans sa gueule. Ils nous mettent un sous-titre. Ok. R1 pour viser. Ah, ok. Boum! C'est le Kyo. Ouais, c'est l'attaque Kaio, l'attaque Ki de Vegeta dans Dragon Ball Z Super Butoden 1 ou 2, simplement 2. Bon, là, on a une espèce de couloir fermé à la Spyro. Tu peux escalader ce mur et saute quand tu.
Vers le haut. D'accord. Waouh, c'est bon. Là, juste voir s'il n'y a pas autre chose. Et elle, on peut récupérer. Putain, c'est du loot. On peut faire comme dans Monster Hunter World. Et là, par contre, ça serait de la merde. Alors que là, c'est la même chose. On se place et on appuie sur rond et on rattrape. Et hop, on monte. Merde, j'ai appuyé sur le truc pour zapper la cinématique. Je crois que c'était un dessin animé qui était connu. J'ai jamais entendu. Inspiré de la première saison. Ah, merci. Là, je fais mon plutonium. On est encore dans l'hydaxiel. Et est-ce qu'on peut. Non, on peut pas. On peut pas. Boum dans ta gueule. On peut pas cumuler. Quand on tire, on peut pas faire le tir et ensuite mettre le bouclier et le tir en même temps. Ouais, on peut s'accrocher là. Attention, petit con. Là, il y a un méchant, j'ai vu. Est-ce qu'on peut pas? Non. J'ai vu un truc tout à l'heure qui était caché dans le coin là. Là, on va faire du loot comme dans Monster Hunter World. Regardez, c'est génial. Ça, c'est du level design. Comme dans Monster Hunter, on a trouvé des petites choses. Là, je peux monter. Ah, t'entends. Et merde! Le lapinou, est-ce qu'il fait partie du décor ou est-ce que c'est fait exprès? Voilà, ça c'est du. Bon, on peut pas les attraper. Il n'y a pas de musique des fois, hein, c'est un petit peu spécial. Ça, c'est du level design. Hop, le panneau d'affichage. Là, on peut s'accrocher en fait. Voilà, comme dans Mario Super 64. Ça, c'est rendu gameplay, mais il n'y a aucun enjeu. Et puis, je. Alors, le jeu, oui, c'est ça qui est un peu con, c'est ce que j'aime pas. Ah, il y a sûrement un truc caché. Voilà, merci, on me la fait pas, moi. Je suis un vrai gamer, regardez-moi ça. C'est que, en fait, on joue avec le stick analogique gauche et les jeux de plateforme. Moi, je préfère jouer, surtout quand c'est en 2D, avec la croix directionnelle et mes langues popo. Coucou, Choupinou. Ah merde, je croyais que je pouvais parler au Lapinou. Là, il n'y a pas de caméra possible. Boum, aïe aïe aïe, c'est fait bobo, non. Je peux récupérer ça, c'est génial. Là, on peut pas. Il y a du vent. Ah ben non, en fait, je suis con. Oui, c'est ça, en fait, il me disait. Aïe, tu peux passer par là. Donc, c'est nul. On peut pas le découvrir par soi-même, là. C'était obligé de nous dire. Allez, accroche-toi. On continue. Pourquoi j'y suis arrivé du premier coup? Et après, là, je n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a un double saut? Non, il n'y a pas un double saut. On va quand même écouter ce qu'il y a à dire. Avance-toi au bord, pousse le joystick vers le haut. Ah oui, là c'est pour accrocher à la paroi. Enfin, j'ai rien à raconter d'autre sur le jeu pour le moment. Oh putain, on peut faire de l'escalade, il y a un petit bug. Il y a du vent. Ouf! Mais ça, c'est quoi? Là, il y a un truc par terre. Aïe, 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 attention. Ouf! On part vraiment à l'aventure. Aïe, 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 alors là, ça y est, j'ai compris. Hop, attention. Là, ça y est, du gameplay. Attention, voilà, hop, on y va, on y va. Vite, vite, vite. Aïe aïe aïe! Ouf! Ça c'était le grand truc à pas louper, attention! Ouf! Sympa! Plus dur qu'il n'y paraît. Ouah! 2,5D! Cinématique. Et le lapinou. Kiko, ah c'est le Kiko. C'est toujours le même con là. Allez, R1 et carré. Ouais, c'est pas dégueu graphiquement hein, pour le. Puis les trucs cartoon sont pas trop moches non plus. Ma foi, je me suis ramolli, mais pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de jeu.
Il prend ça, on l'embourrine. Hop. Alors, c'est ouais, c'est ça qui est un peu con, c'est que le truc, on peut pas. Quand on a. Soit on bloque, soit on avec le bouclier, soit on choisit le bouclier, soit on choisit l'attaque. On peut pas faire les deux en même temps. Ah, ce petit con, il est encore là. Attention. Hop, tension, directement dans la phase de cri Jéricho. À bout portant. Ouf, pardon. Tiens, j'en ai trouvé des trucs. Là, il faut être bien en face, c'est ça qui est un peu con. Oh putain, Dazzle. Je voyais pas. Si vous ne me le dites pas dans le chat. Pas compris pourquoi il bouge le Dazzle de merde là. Pas capté. Ma caméra, ça va. On court. Encore un petit con. Lui, il prend par contre. Est-ce que ça lui fait bobo les cailloux dans la gueule? Non, même pas. On sait pas trop. Là, ce truc qui est au sol, je sais pas ce que c'est. Ah, ce genre de stage, on l'a pas trop vu dans un jeu vidéo. Voilà, super. Toujours pour l'instant, toujours le même ennemi. Il y a même ennemi, il y a même pas de swap color. Ils sont pas fait chier. Est-ce qu'il y a des choses à regarder dans le ciel? Parce que là, on est en hauteur, on pourrait se dire, ouais, on a un truc à regarder. Ben voilà, on est comme dans Dark Souls Firelink quand on voit la barrière qui nous entoure, Boletaria, je sais plus quoi là. On attend, on est sérieux. Je vais pas y jouer longtemps, hein. C'était putain déjà 12 minutes sur ça. J'ai d'autres jeux à vous montrer qui sont sûrement plus intéressants. Notamment Shifters. Il y aura Shifters. Tenchu, la colère divine, ainsi de suite. Là, c'était juste, je vous dis, dans le sens anti-alphabétique. Ça, je fais de la place. Oh putain. Oh putain, c'est Rotsuki Dojo. Oh putain, il écarte les jambes, mais ça va pas, non? Ils vont pas bien. Je suis choqué, alors là. Choqué. Non, non, c'est quoi ça? C'est quoi cette pose? Putain, ouais. Ça a mal à l'aise, là. Allez, combat de boss. Je suis pas une fée, mais elle envoie des caméas dans la gueule, quoi, quand même. Bah, c'est comme Gigi, alors, un petit peu. Quand tu combats Antonino, tu peux voler. Waouh, waouh, waouh. Méfie-toi des intestins, elles vont te. Et là. Voilà, droite et gauche. Et voilà, ça, c'est du gameplay. On peut monter. Waouh! Space arrière, mais du space arrière qui serait qui se il faut lui tirer goût dans le cul, il faut lui tirer dans quoi? J'ai plus de. Ah oui, là, il faut que je récupère. Voilà, hop, là, c'est j'ai le pouvoir. Aïe, 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 là, ça m'enlève le pouvoir. Il faut reprendre. J'ai pas tout compris. Oui, oui, Philippe, oui. Ouais, c'est spécial. Il faut récupérer. Oh putain. Là... Oh putain, oh. Il faut récupérer. Pourquoi des fois ça lui fait bobo, des fois non? Là, il faut récupérer. Ça, c'est du combat, on aime. Ah oui, il est là-bas. Il faut aller tout là-haut pour récupérer le truc. Pour le cul, qu'on en finisse. Le cucu, hop.
Bon, après, ça change un petit peu. Ce... Oula! Boum! On lui tire dans le dos, c'est pas très. Rentre chez toi. Il a bobo, ça y est. Alors, dans le dessin animé, il était jaune, et puis là, il est plutôt marron. On se retrouvera. Comme aime-moi comme je t'aime, on Je se crois que c'est pour moi. retrouvera. Merci. Oh, quel combat Impressionnant, et c'est le mot qui vient à impressionnant. l'esprit, le J'arrive toujours premier. pas à comprendre d'où vient ce pouvoir. C'était la magie des fées. La Elle est magie de très Noël. présente en toi. Moi, une fée? Oh, cela veut dire que tu dois Le absolument jeu il est venir pas avec méchant, moi j'ai les pas envie de connaître. critiquer. Voilà, c'est un petit jeu choupinou, je l'ai eu à 50 centimes, on va pas non plus cracher dessus. Je vais pas faire mon beurre avec non plus. J'ai pas d'argent à vous demander, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de Facebook avec des followers, j'en ai rien à foutre. Donc moi je vous ai montré le jeu comme ça, voilà, c'est pas. J'ai vu bien pire. Hein. Après je me suis pas spécialement amusé, je me suis pas non plus emmerdé plus que ça, mais je vois pas trop l'intérêt d'en faire un jeu vidéo si ça peut rassurer certains. Je comprends pas trop là. J'avais bien aimé, mais c'est il y a très longtemps, c'était Kim Possible. Si vous revoyez mon test, si vous voyez le jeu, c'était Kim Possible sur PS2. C'était un bon jeu de plateforme 2D bien cool. Qui, bah, cool par rapport à ce qu'on pouvait croire, il y avait pas mal de trucs, c'était bien punchy et tout. Là, bon, bah, c'est de la 3D donc c'est moins punchy obligatoirement. Par contre, c'est pas dégueu, regardez-moi ça. C'est pas moche avec les trucs comme ça. Petite la lumière, cartoon. Il y a des jeux sur PS3 qui font pas mieux. Hein. Alors c'était peut-être le tutoriel et puis là maintenant on va aller dans le vrai jeu mais... Salut, je m'appelle Bloom. Il y a un problème? Bloom. Salut Bloom, moi c'est Cereza. Quelqu'un. Bon, ils ont fait des doublages. Essayez d'arrêter tous les signes de façon à ce qu'ils s'affichent tous le symbole choisi. J'ai pas compris ce qu'elle me demandait. D'avoir essayé, Bloom. Dans ce casier, j'avais des étoiles féeriques pour le pro. Tu pourras faire remarquer. J'ai rien compris, c'est pas grave. Ça, c'est un jeu à avoir sur Dreamcast. Bon, on va lancer un dernier stage et après j'arrête, hein, mais il y a un cours aujourd'hui. Hein. Quelle belle image donnée des fonctionnaires. On veut nous faire croire qu'ils travaillent pas et qu'ils attendent là. Alors là. Putain, la belle pixelisation. Spéciale dédicace à la Nintendo 64. Toc toc toc. Waouh. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Et non. Bon, là, je sais pas ce que c'est. Comprends pas. Il faut sûrement parler à non, à la meuf qui était là-bas. Après, je m'arrêterai. J'ai pas dit trop ce qu'il y avait à dire parce que on lui a dit coucou. On va aller plutôt par là-bas alors. Temps de chargement sont plutôt courts. Après, il n'y a pas grand-chose à charger. Bon, je voudrais un petit peu qu'il y ait du stage, quoi. Parce qu'après, parler à des cons, là. Allez, hop, on... Gardiena, restez à le faire. Non, 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 non. Et merde, je me suis trompé. Putain, là, on retourne au truc du départ. Comment je pouvais savoir si ça s'appelait Gardiena, le truc Non, 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 non. Oh putain. Ah, j'en ai que 54 sur 60, j'en ai oublié. Et elle s'appelle comment la meuf? Oh Michael. Oh Michael. Bon, ça me gonfle.
Aujourd'hui, je suis allé au parc. Oui, bon. Féerique. Ok, pour l'instant, j'ai. Bon, après, ça va être ça. On va aller quatre personnages. Et quand on a les quatre personnages, après, on développe petit à petit des pouvoirs magiques. C'est passionnant. Voilà, je vous ai montré le jeu. Vous vous débrouillez. Sur ce, ciao Pépito. Pour une prochaine vidéo, à plus mes puces.